Je suis sur l'étang Saint-Paul, là vers la pierre d'Étiage. L'eau a un peu remonté depuis hier, malgré qu'ils ont ouvert récemment. Alors, je suis donc en face là du centre de ski nautique. Il y a une petite odeur de boueuse un peu, avec cette histoire de baisse de l'étang. Voilà, alors là c'est un peu nuageux, ça s'accumule, vu qu'il y a relativement peu de vent. Là il y a un beau mélange de ciel bleu et de nuages blanc-gris. Alors ici c'est l'ouest, le soleil est un peu perdu là dans le nuage. On voit les arbres décharnés, on entend des oiseaux chantouille. Voilà la moquette végétale. Alors normalement, il devrait venir de là-bas. Et nous, on explore les perches, regardez-les bien. En magasinez là dans votre esprit. Quand vous viendrez en réalité, vous reconnaîtrez déjà quelque chose que vous n'avez jamais vu en vrai. Alors, pour la peine, on va marcher. On va se permettre de s'approcher des fleurs. Regarder les épines de plus près. Même les racines, les morceaux de bois, dont je n'arrive plus à savoir comment on appelle ça, les choses qu'on retrouve là, sur la plage, ça a un nom. Là, c'est pas mal aussi, on se croirait en plein désert avec ces arbres décharnés. Les rives de l'étang Saint-Paul. Bon ben pour la peine les amis, on va être obligé d'arrêter puisqu'on ne voit pas revenir le petit tâteau, petit hors-bord. Alors on arrête ici.